Ah, Rome, dite la ville éternelle. Bah, la première chose qui frappe le visiteur, c'est probablement le nombre incroyable de vestiges antiques dans la cité romaine. Enfin, il y a les vrais et puis il y a ceux qui leur ressemblent. Ça fait beaucoup de colonnes, à vrai dire. Des colonnes de marbre, de granit, à chapiteaux doriques, ioniques, corinthiens ou composites. Enfin, il y en a beaucoup et puis ça renvoie au faste de l'Antiquité, au temps où la ville était le centre d'un empire qui s'étendait aux confins de la civilisation, au temps où ses dirigeants étaient les maîtres du monde civilisé. Cette mission s'annonçait des plus délicieuses. Surtout que j'étais quand même accompagné par la plus brillante de nos chroniqueuses, Sophie. Je peux vous assurer que cela importe beaucoup lorsqu'on a la lourde charge de représenter une revue aussi ancienne et prestigieuse que celle qui nous emploie. Ce papier historique sur la ville éternelle était une véritable aubaine. Avec Sophie, nous découvrons un mélange infernal de formes, de couleurs et de sons. Une architecture hétéroclite, l'extravagance, la cohue des styles, des époques, un vacarme ambiant. Rome, la turbulente, l'agitée, l'énergique, l'intemporelle. Le temps, justement. À Rome, il est omniprésent. La ville s'affiche comme une mosaïque de folles envies qui appartiennent à toutes les époques. Est-ce pour cela que Rome est surnommée la ville éternelle? Je ne pense pas, à vrai dire, car il existe de nombreuses villes dans le monde riches en patrimoine antique. Non, la présence des vestiges du passé ne peut suffire. Rome a forcément quelque chose de plus, quelque chose d'unique. Il n'existe qu'une seule ville éternelle dans le monde, et cette ville, c'est Rome. Sophie, de tous les monuments de la Rome antique, ben moi, c'est le Colisée que je préfère. C'est un vrai colosse, Jean-Paul, ça ne fait aucun doute. Alors, il faut imaginer qu'à cet endroit, il y avait une statue de l'empereur Néron, alors gigantesque. Hein. Et on la surnommait le Colosse. Ben, c'est resté. Mais d'ailleurs, le palais de Néron s'élevait ici autrefois. Mais il a été démonté pierre par les Romains qui voulaient oublier le règne de l'abominable mégalomane. Et ils ont construit à la place cette magnifique arène. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec le palais de Néron. Ça, c'est un lieu ouvert au public, 65 000 personnes en étage sur les gradins, 50 mètres de hauteur. Non, c'est vraiment l'endroit idéal, c'est l'endroit du divertissement. C'était un temple des jeux. Mais Jean-Paul, il ne faut quand même pas oublier les lions et les nombreuses victimes qui périrent ici. C'était grandiose, c'est vrai, mais c'était aussi terrible. Laissez courir les lions, légissimo gnanulo, mais n'y pensez plus. Tiens, pensez aux gladiateurs, ben, les idées, les... Oui, et puis pensez qu'à cet endroit, on pouvait remplir la piste d'eau. Il y avait des joutes aquatiques, de véritables batailles navales. Ben, c'est incroyable. C'était les nomachies. On a l'image des arènes sablonneuses, des péplums, mais finalement, aucun cinéma n'a réellement rendu hommage à l'incroyable machinerie cachée dans les entrailles de ce colosse. Il y avait des décors, des scènes, tout ce dont on pouvait rêver pour créer un spectacle grandiose. Oui, cela dit, les lions, ça me plaît. Ça, il faut les noter. Les lions, les simonianolo. Oui, notez-le. Ça, c'est bien les lions. Ça va plaire, les lions. Très bien, les lions. En vantant les splendeurs du Colisée, je manquais de répartie, mais que voulez-vous ? Je n'ai plus 20 ans. Si seulement je m'étais mieux penché sur un petit volume qu'on m'avait offert il y a longtemps, j'aurais été beaucoup plus précis dans mes admirations. Mais à l'époque, franchement, je me souciais beaucoup moins des belles pierres et je préférais me pencher sur les belles filles. En réalité, le Colisée était deux fois plus grand que les vestiges que l'on peut admirer aujourd'hui, car le monument a été en partie démonté à la chute de l'Empire romain. Il manque pratiquement deux étages ainsi que toute l'ornementation du bâtiment qui était couvert de marbre décoré de 160 statues de bronze, chacune haute de 5 mètres. Quelle allure quand même, hein ? Le secret d'une telle construction reposait sur l'immense savoir-faire des architectes romains et notamment la maîtrise de l'arche et de la clé de voûte. Le Colisée n'est qu'une succession d'arcs accolés les uns aux autres sur toute la largeur des tribunes. Ces arches permettaient d'alléger la structure par rapport à un mur plein tout en répartissant le poids sur des piliers directeurs. Quel génie, ces Romains!
Le Colisée fut inauguré en l'an 80 après 8 ans de travaux. La construction a mobilisé 30 000 esclaves et coûté une véritable fortune. Rome était alors un empire en pleine expansion. Titus venait tout juste de s'emparer de la ville de Jérusalem et ramenait avec lui des dizaines de milliers d'esclaves et des centaines de charrettes remplies des trésors de la ville conquise. Un butin qui permit aisément la construction de cet édifice exceptionnel. Mais Jean-Paul, vous êtes là? Ça va? Ouais, enfin, si on veut. Hein. Je m'étais un peu égaré, figurez-vous. J'étais remonté au temps des Jeux du Cirque, avec les lions, les combats, les gladiateurs, et puis les odeurs qui montaient de la piste. Les fauves, le sang. Et alors tous ces spectateurs qui attendaient là sur les gradins, sous le soleil. Non, Jean-Paul, ils n'attendaient pas sous le soleil, ils n'allaient pas attraper une insolation. Il y avait un toit movible avec des perches et un système de cordage qui permettait de tendre la toile jusqu'à la limite des gradins. Cela permettait bien sûr de protéger les spectateurs du soleil et ainsi de laisser entrer le soleil au centre de l'arène. Bah dis donc, on en aurait eu bien besoin aujourd'hui, hein. On est à combien de signes, là, pour cet article? Pas plus de 10 000, Jean-Paul. Ça va, on peut passer à autre chose, hein. On met 3-4 photos, puis c'est bon, hein. On pourrait peut-être parler du palais de Néron, il s'est levé ici autrefois. Néron? Non, Néron, c'est un fou, un assassin. Non, allez, c'est bon. Jean-Paul, imaginez, un palais, 160 chambres, construite en carré autour d'un lac artificiel. Et vous parlez tout à l'heure de bataille navale, mais si on pouvait remplir cette arène d'eau pour les Naumachies, c'est grâce à cette réserve souterraine qui servait à remplir le lac artificiel au temps de Néron. Bah dis donc, remarquable, Sophie, hein. Allez, venez avec moi, je vous fais passer par la porte des gladiateurs. Venez, oui, allez. L'endroit est remarquable, vous verrez. Hein. Il y en a plus des gladiateurs. C'est bien quand même, c'est bien. C'est pas pareil. Ah, les gladiateurs. Ils sont peut-être ceux qui ont fait couler le plus d'encre dans la littérature sur Rome, bien plus que du sang. Mais la réalité, elle est aussi obscure que ce long couloir jadis éclairé de quelques torches et qui conduisait vers la lumière de la reine. Oublions Spartacus, la révolte des esclaves. Ceux-ci appartiennent aux temps anciens de la gladiature. À l'époque du Colisée, ceux qui s'affrontaient étaient des professionnels, grassement payés, formés dans les écoles impériales et qui comptaient dans leur rang de véritables stars des héros populaires. Et puis il y avait ces bras par centaines qui s'activaient à changer les décors, à bien faire monter les cages, à libérer les fauves comme dans un théâtre d'aujourd'hui, mais en plus démesuré. Enfin, de nos jours, les spectacles ont quelque peu changé. On n'organise plus des scènes de chasse aux bêtes féroces, ni de véritables batailles rangées. Mais le principe de l'arène demeure quand même. Ce sont les empereurs Vespasien, Titus et Domitien qui refaçonnèrent Rome après le terrible incendie de la ville en 64. Un feu que l'empereur Néron aurait commandité pour nettoyer les quartiers vétustes de la ville. Néron en avait alors profité pour réquisitionner des terrains et construire un immense palais. Les empereurs suivants rendirent la cité au peuple en bâtissant
le Colisée, les thermes, le Champ de Mars, le Forum Transitorium, le Capitole, le Stade, offrant à la ville impériale un cadre de vie fastueux jusqu'alors inégalé dans le monde. La nouvelle Rome affiche sa puissance à travers la splendeur de ses édifices publics. Elle éclabousse de ses marbres et de ses bronzes dorés les peuples barbares jusqu'aux limites du monde connu. Symbole de la puissance romaine à son apogée, les arcs de triomphe fleurissent sur les artères et les places publiques. Construits pour célébrer les conquêtes victorieuses des empereurs, ces arcs majestueux symbolisent une porte, un passage triomphal, mais révèlent également tout le génie romain en matière d'architecture. Ils sont à l'image du module de base de l'architecture romaine, l'arche. Plus qu'une forme, une technique de construction à l'origine des grands amphithéâtres, des ponts, des temples et des aqueducs. Pour l'empereur, la consécration d'un arc de triomphe était aussi l'occasion de célébrer sa gloire, sa puissance et de bien signaler sa grande contribution à la prospérité de la cité. Car ce sont les guerres qui ont enrichi Rome, les guerres qui ont permis à la ville de rayonner à travers le monde. Les bas-reliefs de ces arches racontent alors les plus célèbres des victoires et mettent en scène les empereurs au milieu de leurs troupes. Avec le règne d'Auguste, Rome entre dans sa période la plus prospère, la plus stable, une période que l'on a nommée la Pax Romana, qui correspond à deux siècles sans guerre civile ni réelle agression par un quelconque voisin. Au contraire, l'Empire romain s'accroît de façon importante, annexant l'Égypte, les royaumes d'Europe centrale, l'Hispanie et une large part de l'Afrique. Cette période d'apogée suit une lente évolution qui a débuté 7 ou 8 siècles auparavant, si l'on en croit la légende. Les débuts de l'extraordinaire aventure de cette cité-État, ces débuts se perdent dans les temps obscurs de l'âge du bronze. Il n'y a pas de source écrite relatant le passé de la prestigieuse cité, mais la tradition orale, perpétuée au cours des siècles et qui précède l'avènement de l'Empire. Cette tradition orale raconte que la ville a été fondée par deux frères jumeaux, Rémus et Romulus. Deux frères nés de la rencontre entre le dieu Mars et une Vestale, deux enfants qui furent abandonnés par leur mère aux caprices du fleuve, le Tibre. Voguant alors dans un grand panier sur ce large fleuve en direction de la mer, les deux jumeaux se seraient échoués à un endroit où le cours d'eau contourne une colline. La légende précise que la nacelle se coinça sous un figuier devant une grotte où vivait une louve. La louve les aurait alors recueillis, allaités, élevés comme ses propres enfants. Devenus adultes, les deux frères se seraient disputés et Romulus aurait tué Rémus. Ensuite, il aurait fondé une petite ville sur le sommet de la colline contre laquelle, jadis, son embarcation de fortune s'était échouée. Bon, voilà pour la légende. Elle place le fleuve au centre de l'affaire, une des sept collines comme le point de départ de l'habitat, et aussi une origine à la fois divine et bâtarde à un endroit où rien n'existait auparavant. Une origine marquée par la trahison, le meurtre. Alors cette belle légende connut un immense succès au temps des rois et des empereurs romains. Si certains détails de l'histoire leur semblaient extravagants, d'autres, en revanche, s'appuyaient sur une série de faits indéniables. Tout d'abord, le Tibre forme des lacets dans la plaine alluviale au contact d'un ensemble de collines sur lesquelles s'est ensuite développée Rome. C'est vrai. Le mont Palatin contrarie le cours du fleuve qui forme alors un large coude. Au pied de la colline, une petite grotte est connue. Là se trouvent les restes d'un village de l'âge du bronze. L'empereur Auguste, qui a édifié le premier palais impérial sur ce mont Palatin, a pris bien soin de conserver les ruines d'un bâtiment de l'âge du bronze que la tradition justement attribuait à Romulus. Alors, ne soyons pas dupes. C'est aussi une façon pour lui de légitimer son pouvoir en se plaçant dans la continuité du fondateur mythique de la ville. Bon, ceci dit, le cadre géographique de la légende est vrai, oui, mais le reste est incertain. Moi, je n'ai rien trouvé sur ce caractère véritable de Romulus, le fondateur de la cité, c'est-à-dire son premier roi. Alors même les archéologues sont perplexes, l'identité de ce roi n'est pas connue. Il a bien fallu quand même un point de départ, un premier roi, une nouvelle lignée. Eh bien, je dois vous avouer que l'origine bâtarde des deux frères, l'image de la louve, qui est certainement une métaphore de la prostituée,
le meurtre aussi entre deux rivaux, eh bien, tout cela correspond bien à une certaine image de la grande cité antique. En tout cas, son histoire est par la suite pleine de ces ingrédients-là, oui. Belle allure, hein? Bon, évidemment, si vous aimez les conquérants, mais enfin, pour Jules César, la guerre des Gaules a été relativement facile quand même. Hein. Oui, enfin, c'est ce qu'on dit ses détracteurs au Sénat, et puis il les a balayés avec toutes ses légions. Il faut savoir qu'au retour de Gaule, César avait l'interdiction par le Sénat de rentrer en Italie, et Pompée l'attendait avec une armée plutôt bien dévouée. C'était un homme intelligent, Jean-Paul, vous ne pouvez pas le nier. Et après avoir conquis l'Italie, il a même poursuivi ses détracteurs jusqu'en Égypte, où il a remporté la bataille du Nil, se proclamant chef de tout l'Empire. Oui, et au passage du Nil, il a même emporté le cœur de Cléopâtre. Et ça, Sophie, c'est la marque d'un grand chef. Oui, surtout d'un grand empereur. Il a quand même balayé la République, instauré l'Empire. Enfin, presque. C'est vrai qu'un petit couteau pointu l'en a empêché au dernier moment, mais finalement, son fils n'a eu qu'à parachever l'œuvre. Oui, enfin... Parachevé, Auguste a été un grand empereur. Il a d'abord construit l'Empire. Il a mis un terme aux guerres civiles. Il a stabilisé les frontières. Non, non, Sophie, le boulot était énorme à la mort de César. Oui, mais le train était déjà sur les rails. Alors vous voyez, avec ces photos-là, je vous assure qu'on va faire le meilleur article de notre vie. Mais je vous le dis. Non, mais faites-moi confiance. Hein. Ça, vous voyez ces photos-là? Vous verrez. Si je le sens... Vous riez, hein? Pas du tout. Non, parce que je vous assure qu'il est beau comme tout. Hein. Je suis très sérieuse. Oui. Sophie aime bien César. Ben oui. Moi, je ne comprends pas l'attirance des belles dames pour ce personnage, brillant chef militaire, grand réformateur, oui, mais Auguste, tout de même, quel esprit. Ce forum tout entier est un morceau d'intelligence politique. D'abord, il ne faut pas oublier que c'est Auguste qui a mis au goût du jour l'Arc de Triomphe. Et ici... Il y en a trois. Trois magnifiques chefs-d'œuvre, tout à la gloire des empereurs Auguste, Septime Sévère et Titus. Et puis quand même, Auguste, c'est l'Empire apaisé, c'est la paix, c'est la prospérité. Alors le reste du forum est occupé par des temples. Regardez comme les arcs de triomphe enserrent l'espace sacré. Ben, c'est pas un hasard. Le pouvoir religieux est physiquement encadré par les symboles du pouvoir impérial. Oui, Auguste, c'est un génie. À la fin de la République, la plupart des confrères en charge de la célébration des cultes étaient tombés dans une profonde décadence. Eh bien, Auguste les fit revivre. Il créa aussi une nouvelle confrérie. Il avait pour mission de célébrer avec cette confrérie le culte, son culte. Le culte de l'empereur élevé à sa mort au rang des dieux. Quoi qu'on en dise, eh bien, l'homme était un brillant stratège politique. En bordure du forum, sur le mont Palatin, Auguste établit les quartiers du pouvoir impérial dominant le forum et la cité tout entière. Vous savez, Jean-Paul, j'aurais aimé ne serait-ce qu'un seul instant vivre à cette époque où ces statues avaient des visages, où ces piliers portaient ces palais et où il y avait la foule dans ces allées. Oui, mais enfin, les pierres sont passées par là et des doutes aimants, mais ils ont tout ravagé. Alors, quand vous voyez le Colisée, qui est quand même le symbole de l'Antiquité, et toutes ces ruines, ma foi... Jean-Paul, vous exagérez. Mais bon, c'est vrai que c'est César qui nous importe, César, son auteur. Regardez cette vestale, elle a toujours son visage. Ouais. C'est la seule qui a gardé sa tête. Elle est belle, hein? Vous savez que Montesquieu, il a écrit un ouvrage sur la chute de l'Empire romain. En fait, c'était beaucoup plus un plaidoyer sur l'importance des lois qui doivent régir les sociétés humaines. En fait, pour Montesquieu, l'Empire romain s'est effondré d'avoir grandi trop vite, trop loin. C'était un empire de conquête qui a perdu sa raison d'être lorsqu'il n'eut plus rien à conquérir. Plus rien à conquérir, plus rien à piller, plus rien à piller, plus de croissance. Et oui, parce que le modèle économique, c'était le pillage. Vous comprenez, les conquêtes ramenaient du butin. D'ailleurs, Montesquieu l'a dit...
Le modèle romain était d'une faiblesse politique terrible. C'est l'appétit qui construisait Rome. On ne peut pas tenir avec ça. Dit comme cela, c'est sans appel. Et c'est vrai que la gourmandise ne peut pas être un modèle en soi. Et vous voyez, le Colisée parle de l'ingénierie de Rome. Mais moi, je trouve que ces ruines parlent de destinée. C'est peut-être un peu plus émouvant, vous ne trouvez pas? Oui, peut-être. Ouais. Allez, vous venez? Bon, il n'empêche que c'est quand même en ruine. Il n'y a pas que Sophie qui fut émue par toutes ces ruines. Au temps de Montesquieu, le voyage à Rome était déjà incontournable. Les élèves de bonne famille devaient voir le berceau de la civilisation pour comprendre le chemin que la société avait emprunté. Rome était un passage obligé. L'intelligentsia européenne se devait de pouvoir discuter de chacun de ces monuments. On venait admirer le Colisée, les thermes, les palais du Palatin, les temples, les forums, les théâtres, tout ce qui faisait la grandeur de Rome et qui rappelait ses origines grandioses. Alors oui, on se cultivait. On se cultivait en joignant à la connaissance littéraire des choses l'expérience intime du voyage. Chez Montesquieu, la connaissance académique s'est mue en réflexion philosophique. Pour ma part, je restais plus prosaïque, plus terre-à-terre. J'essayais d'imaginer ces monuments sous leurs habits antiques. Le théâtre Marcello, sans doute plus beau hier qu'aujourd'hui. Et puis j'imaginais le cirque Maximus reconstruit, des gradins où s'entassaient 250 000 personnes, des chars qui tournoyaient sur la piste dans des courses effrénées, avec les quatre couleurs des équipages qui s'affrontaient. Le blanc, le vert, le rouge, le bleu, et à leur tête, Néron ou Caligula en personne, parce qu'ils étaient connus pour être d'habiles conducteurs de chars. Mais mon monument préféré, il reste sans contexte, le Colisée. Mais que voulez-vous, il est le symbole de la ville romaine, et puis au-delà, c'est le symbole du pouvoir de l'empereur. Ce fantastique amphithéâtre a été en réalité imaginé comme un lieu d'exercice du pouvoir. L'empereur distribuait du pain, des jeux pour acheter la paix sociale. L'empereur affirmait son autorité suprême, il mettait en scène l'exécution de ses opposants. Et au temps des persécutions, nombre de valeureux chrétiens furent massacrés dans l'arène. Ce chef-d'œuvre a malheureusement perdu de sa splendeur d'antan. Sitôt devenue chrétienne, la population romaine a démantelé l'amphithéâtre, elle a récupéré les marbres de ses façades, de ses sols, elle a fondu les statues de bronze, elle a même utilisé l'impressionnante structure comme carrière de pierre. Oui, la Rome chrétienne a voulu tirer un trait sur les aspects les moins glorieux de son passé. Elle a voulu abattre les symboles de l'Empire pour essayer de commencer quelque chose de neuf. Alors, il faut descendre sous terre pour se rendre compte de la longue maturation de cette Rome nouvelle. Près de 3 siècles d'abnégation, de sacrifice, de dévotion, de lente construction que tous ces hommes et ces femmes avaient supportées sur leurs épaules. À voir dans ces catacombes toutes ces générations de chrétiens reposant en paix, moi j'entrevoyais véritablement toute la force de cette population naissante. Je comprenais que rien ne pouvait résister à une telle masse en mouvement. Il y avait là des centaines de milliers de tombes, toutes chrétiennes, creusées à même la roche sur plus de 30 kilomètres de galeries. Attention Sophie, les marches sont glissantes. C'est qu'ici, entre le 1er et le 5e siècle, on en a usé des caligae et des sandales. Mais oui, sans 100 000 tombes, Jean-Paul serait ainsi couché, étendu sous le sol de Rome. Au bas mot, il faut savoir qu'au 1er siècle de l'ère chrétienne, au-dessus de nos têtes, il y avait à Rome plus d'un million d'habitants. Alors, les Romains incinéraient leurs morts, mais les chrétiens, eux, les enterraient. Au fur et à mesure, la religion chrétienne a pris de l'importance, elle est même devenue officielle. Les cimetières s'agrandissaient. Et oui, et le sous-sol de Rome est un vrai gruyère funéraire. Regardez toutes ces tombes successives. Il n'y aurait pas moins de 45 cimetières dans ce genre.
Mais il se passait toujours quelque chose sous l'Empire. En fait, en surface, le terrain était cher. Alors on achetait ici une petite concession, on s'étendait un petit peu en largeur, et surtout en profondeur et sur plusieurs niveaux. On pourrait même s'acheter une concession tous les deux. Oui, enfin, en attendant d'acheter une concession, vous êtes sûr qu'on ne va pas se perdre ici, Jean-Paul ? Avec moi. Suivez-moi, je serai votre guide. Sophie, vous préférez là ou là ? Non, non, là, Jean-Paul, là. Bon, suivez-moi. Il y avait ici toute une organisation. Une véritable administration qui gérait le cimetière et qui prévoyait les extensions. Il y avait des armées d'ouvriers qui s'occupaient des galeries. Ils préparaient les tombes. Ils veillaient aux rites funéraires. Il faut comprendre les chrétiens. Ils ne voulaient pas de la crémation en vigueur à Rome. Eux, ils croyaient à la résurrection. Ils voulaient attendre le jour du jugement dernier dans un endroit paisible, protégé. Les corps étaient alors placés dans un linceul, puis dans une niche creusée dans une de ces galeries. La niche correspondait, par sa taille, à celle du défunt. Ensuite, elle était murée afin que personne ne vienne perturber le repos de celui ou celle qui l'occupait. Le rite funéraire respectait ainsi fidèlement la mise au tombeau de Jésus-Christ. Le fils du Dieu chrétien. Ah, Jean-Paul, c'est un kubikula. Ça va sûrement vous intéresser. Un tombeau de famille. Mais, Jean-Paul, vous me suivez ? Oui. Dans ces caveaux, il y a quelques belles fresques, certainement celles de morts riches, non ? Ah, que voulez-vous, même après leur mort ? Les hommes restent inégaux, c'est comme ça. Vous remarquez ce signe-là, Pax ? Oui, ça veut dire la paix. Si vous regardez d'un peu plus près, vous allez voir le X de la croix. Si vous regardez encore plus, vous verrez l'alpha et l'oméga, les limites de la vie terrestre pour chaque chrétien, le début, la fin, et puis même le qui de Christos en grec, le Christ. Décidément, Jean-Paul, rien ne vous échappe, pas même le grec ancien. Une question de passion en famille, comme dirait mon cousin, une question d'élevage. Mais enfin, oh, vous n'êtes pas sans ignorer que le grec était l'une des langues des premiers chrétiens. Oui, le Christ parlait en araméen, mais les évangiles ont été écrits par les apôtres en grec. Les élites romaines utilisaient beaucoup plus le grec que le latin. Ça posait son homme, qu'est-ce que vous voulez ? Ça marquait bien, c'était branché, voilà, c'était très noble. Et là, Jean-Paul ? Ben là, c'est le poisson. Le poisson ? Oui. Parce que la Bible, elle est pleine de poissons. Les disciples, les apôtres, tous des pêcheurs. Alors le poisson est devenu le symbole de tous les chrétiens. C'est vraiment intéressant. Ah oui, c'est magnifique aussi. Allez. Je donnais à Sophie une explication pour le moins partielle, mais pas inexacte. J'aurais pu la compléter si je m'étais souvenu que le poisson représentait alors un acronyme, c'est-à-dire que chacune de ces lettres servait à désigner un mot. Le iota pour Jésus, c'est-à-dire Jésus. Le chi pour Christos, le Christ. Le theta pour Théo, Dieu. L'epsilon pour Huios, le Fils. Et le sigma pour Soter, le Sauveur. Ainsi, voici le sens de cette phrase cachée. Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Sauveur. Oui, le poisson symbolisait cela. Vous savez, les chrétiens, ils en représentaient souvent dans leur demeure afin d'affirmer leur foi en Jésus-Christ. Alors, il n'est pas étonnant que l'univers des catacombes, ce soit celui aussi des poissons. Oh, Jean-Paul ! Encore une kubikula ! Waouh, Jean-Paul, c'est vraiment magnifique ici. Toutes ces tombes, c'est impressionnant, et ces fresques. Vous savez que les chrétiens persécutés se seraient cachés ici en masse ? Des chrétiens qui se sont cachés dans les catacombes, il n'y en a que dans le roman de Chateaubriand sur les martyrs. Remarquez, je comprends que cet endroit l'est inspiré. Il fait démarrer son roman ici, dans les catacombes, il s'achève au Colisée. L'homme avait du goût. Ouais. Bon, écoutez, je vous invite à lire son ouvrage.
C'est un peu long. C'est en prose, mais on y voit les chrétiens aller de l'ombre à la lumière, des catacombes au Colisée. C'est dans le martyr que la foi chrétienne a gagné. Oui. Vous voulez donc dire que c'est une invention de Chateaubriand? Les chrétiens ne se sont jamais cachés ici? Non, jamais, ils se sont jamais cachés ici. Les cultes funéraires étaient pratiqués ici. Les cultes chrétiens étaient parfaitement admis. Sinon, l'Empire romain n'aurait jamais permis qu'on creuse ces catacombes. Ce que les Romains n'aimaient pas, c'est que les chrétiens ne voulaient pas adhérer aux rites romains. C'est que les chrétiens restaient en dehors. Les Romains, ils aimaient l'ordre. Voilà, c'est ça la réalité. L'argument est imparable. Mais les persécutions, ça a quand même existé. Dans le Colisée, notamment. Oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de martyrs. Enfin, l'Église a beaucoup communiqué sur ces martyrs. Beaucoup, beaucoup. Vous avez froid? Un peu. Quand même. Oui, mais beaucoup, beaucoup. Vous voulez partir? Restez encore un peu. Vous savez, moi, j'ai peur de rien, mais du désert à la banquise. Moi, je peux rester. Je suis... Non, vous voulez partir. Bon, ben, on y va, on y va. Vous êtes sûr? Bon, allez. Moi, je vous... Vite, on y va. Ces tombes, c'est vraiment incroyable. Jean-Paul? Jean-Paul! Mais où êtes-vous passé, vous encore, qui ne craignez ni le chaud ni le froid? Jean-Paul! Elle avait froid dans les catacombes, Sophie, les catacombes de Saint Calixte, l'un des 45 cimetières chrétiens antiques de Rome. Mais ici, on débouche sur la célèbre Via Appia, en plein soleil. C'est un long ruban de pavés qui était jadis parfaitement ajusté, qui reliait Rome au port du sud de l'Italie et de l'Adriatique. C'était une voie royale bordée de fontaines, de tavernes et qui, dans les premiers kilomètres à la sortie de Rome, traversait le quartier résidentiel des riches patriciens, des membres du Sénat et même des familles des empereurs eux-mêmes. Là, il y avait les plus belles demeures romaines de la ville, des palais somptueux qui se voulaient tous les plus luxueux de Rome. Parmi les vestiges de ces splendides villas, on peut remarquer celle des frères Quintili, sénateurs et consuls très appréciés de Marc Aurèle, mais qui furent exécutés par l'empereur suivant, Commode. Oui, Commode était jaloux de leur immense richesse. Cette villa que l'empereur Commode se réapproprie possédait plusieurs bâtiments grandioses, une piscine, un stade, un théâtre privé. D'autres palais, comme ceux des empereurs Adrien ou Maxence, étaient encore plus imposants. Mais ils ont été totalement détruits par la suite. Ils ne laissent apparaître que quelques murs sans ordre. Écoutez, Sophie, je peux plus, moi. Après le froid des catacombes, la chaleur de la Via Appia, je me rends, voilà, je jette l'éponge. Mais enfin, Jean-Paul, vous n'allez pas défaillir, vous qui êtes bâti comme un roc. Ouais. Oh, le taxi vient nous abandonner. Et les quelques réseaux de communication qui nous restaient viennent de nous lâcher. Il nous reste toute la marche à pied, hein. Et puis, la route n'est pas si longue. À vous trouver, vous. Bah, c'est le seul moyen qui nous reste, hein. Il y a 200 km d'autoroute pavée pour aller venir de Rome, alors... Autoroute, vous exagérez un peu, c'est qu'une large voie pavée.
Ah, mais Sophie, à l'époque, il y avait des sentiers avec des trous, des cailloux, des ornières. Là, cette voie express, pavée, construite il y a 2000 ans, bah, c'était moderne. Et quand je dis 2000 ans, je devrais dire plutôt 2330 ans, parce que le chantier a été initié ici à partir de 312 avant Jésus-Christ. Ouais, enfin, même joie, ces pavés devaient être une torture pour bien des lombaires. Mais les Romains, c'était des costauds. Admirons plutôt l'œuvre, le travail. Ça a mis 2 ans pour être conçu. Et ensuite, on a poursuivi le travail jusque dans les Pouilles. Ça offrait un axe de communication absolument remarquable. C'était quand même autre chose que les routes médiévales. Je savais pas qu'il y avait eu des routes médiévales. En fait, il n'y avait pas de route médiévale. On utilisait les voies romaines parce que de toute façon, on était bien incapable de reproduire ça. Et puis, bon, il m'en manquait de bras, de discipline, de génie, alors... C'est presque un résumé de l'Empire romain, ça. Du bras, de la discipline, du génie. Rien n'était impossible pour eux. Ben oui, oui, oui. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le créateur de cette voie. Il s'appelait Appius Claudius Caecus. On le surnommait Ujeg, ou l'aveugle. C'était un brillant architecte. C'est lui qui a créé le premier aqueduc à Rome. Il est aveugle ? Lui. C'était même visionnaire, parce que imaginez des voies rapides à cette époque-là. Vous savez, quand un empire se construit, il a besoin d'avoir des ordres qui partent très vite et qui arrivent à destination très vite. Et bien avec cette voie-là, ça fonctionnait très bien. Bon, on en est où de ce réseau-là téléphonique? Ça marche jamais, ça. Écoutez, laissez courir. Vous avez dit que je suis un roc. Eh bien, écoutez, je suis un roc. Voilà, nous allons faire les 200 km à pied. Allez, suivez-moi. Mais Jean-Paul, pas si vite. Les voies romaines étaient effectivement des monuments à part entière qui démontraient tout le génie des Romains en matière d'architecture. Cette voie royale, par exemple, elle possède une largeur constante d'exactement 4,10 m sur toute sa longueur depuis Rome jusqu'à Brindisi, à l'extrémité orientale de la botte italienne. Autre réalisation incroyable, les aqueducs font preuve de l'immense génie des architectes romains. À Rome, celui qui longe la Via Appia fut construit en 312 avant Jésus-Christ par Appius Claudius Caecus, mais... La ville s'agrandissant sans cesse, il fallut rapidement en construire plusieurs autres. Au total, 11 aqueducs furent bâtis, acheminant plus d'un million de mètres cubes d'eau par jour pour les besoins des habitants de la capitale romaine. Ces aqueducs parcouraient des plaines sur des dizaines de kilomètres, ramenant dans la ville impériale l'eau pure des collines du centre de l'Italie. On utilisait simplement la force de la gravité. Et tout cela fait que l'eau circule toujours en direction de la pente. Oui, les Romains étaient véritablement de grands bâtisseurs. La construction de certains édifices étonne toujours, 2000 ans après, car il est des secrets perdus que les techniques modernes n'ont jamais égalés. Prenez la coupole du Panthéon de Rome. La plus grande coupole du monde réalisée sans béton armé et qui défie toujours le temps sans montrer le moindre signe de faiblesse. Cette sublime représentation du globe terrestre de 43 mètres de diamètre a étonné de tout temps ceux qui la contemplaient, servant de modèle à bien d'autres monuments par la suite, comme le célèbre Panthéon de Paris, dont la façade de soufflot est bien plus qu'un hommage, presque la copie du monument romain, mais... une copie de taille bien inférieure. Alors, comment les Romains ont-ils pu inventer un béton aussi résistant? La question passionne tous les architectes depuis des siècles, tant la chose semble irréalisable. Depuis Viollet-le-Duc, qui a étudié le monument, les architectes s'interrogent sur la technique employée par les Romains, une technique qui nécessitait à minima la réalisation d'un cintre et d'un coffrage, c'est-à-dire de pièces de bois aux dimensions exceptionnelles. On coulait le béton contre ces pièces de bois, mais c'est surtout la solidité de ce béton qui impressionne, sa haute résistance dans le temps. Aujourd'hui, on sait que le monument utilise en réalité différents bétons avec des fragments de pierre pour la solidité, avec du tuf, de la brique concassée pour la résistance à la déformation, de la pierre ponce au niveau de la coupole pour diminuer le poids. Et le tout est savamment agencé pour composer un édifice d'une solidité redoutable, capable d'affronter les millénaires sans la moindre fissure.
Sophie. Oui. Est-ce que vous connaissez la fable papa, le dite des oreilles d'âne du Bernin? Vous voulez parler de Bernini, le grand architecte? Oui, celui à qui on doit la plupart des statues de Rome, celui à qui on doit la place Saint-Pierre du Vatican, c'est lui. Eh bien quoi ces oreilles? Eh bien, je vais vous raconter. En fait, il y a beaucoup de barbares, de pillards qui sont venus ici à Rome, qui ont tout brûlé, ravagé, mais jamais personne ne s'est attaqué au Panthéon avec son dôme en béton le plus vaste au monde. Personne. Et d'ailleurs, Jean-Paul, ce sont les Romains qui ont inventé le béton. Et c'est une invention qui s'est perdue, qui n'a été redécouverte qu'au 19e siècle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Mais c'était des bâtisseurs formidables. Vous rendez compte que ce béton a résisté aux années, aux siècles, 2000 ans quand même d'histoire. Quand... Je vais vous citer un exemple. Chez moi. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'immeubles où vous avez des petites fissures au bout de quelques temps. Enfin bon, bref. Passons. Ce que les barbares n'avaient pas fait, un pape se l'est autorisé. Figurez-vous qu'il a demandé à Bernini de créer deux petits clochers de chaque côté du Panthéon, des clochers baroques. Et une fois que ce fut fait, c'est devenu mais alors, la risée de tout Rome. Et ils ont surnommé l'endroit les oreilles d'âne du Bernin. Mais elles n'y sont plus, Jean-Paul. Bon, heureusement, heureusement. Ça a été détruit en 1833, après quand même deux siècles de risée, d'absurdie totale. Quand même, hein. Ah bah oui. Enfin, c'est intéressant, mais je pense pas qu'on va le mettre dans l'article. Vous vous rendez compte, Sophie, défigurer le Panthéon? Il avait vraiment pas de goût, hein. Ben oui, on peut être un pape et pas avoir de goût. Ouais. Hein. Mais regardez, ça n'a pas bougé, hein. Le béton a tenu, c'est fou, moi je vois assez d'eau aussi. Eh bien l'hiver, non mais l'hiver, le béton il peut craquer, hein. Ah, ça a 2000 ans quand même. Vous n'avez pas de chance, Jean-Paul, quand même. Ah non, mais moi je peux vous raconter des trucs, alors ça bouge pas, là. Il faudrait même savoir quelle est la recette que vous employez. Mais oui, la recette demeure un mystère, mais oui. Le Panthéon, ce n'est pas que ça, c'est aussi un symbole de la capitale romaine. C'est un temple édifié pour abriter les statues de Mars, Vénus et Jules César, mais qui devint par la suite une somptueuse église chrétienne dédiée à Marie et aux martyrs, illustrant ainsi la transformation de la Rome antique. Bon, et puis entre nous, il possède une légèreté que bien d'autres monuments n'ont pas quand même. 10 000 signes sur Constantin, ça va être pas mal, hein, je vous dis. Oui, surtout sur le remis à la chrétienté, mais c'est tout à fait injouable. Bon. Bah. Il paraît qu'il était beau, il était très séduisant. Oui, il manquait pas de charisme en tout cas. C'est un personnage remarquable. Alors, on dit qu'il avait des attraits physiques spectaculaires. 10 000 signes sur Constantin étaient un minimum, tant ce empereur a marqué le passage de la Rome antique à la Rome chrétienne. Les empereurs précédents avaient tenté d'empêcher l'émergence de cette religion, voyant bien qu'elle constituait un danger politique, un groupe d'opposition unie, organisée, hiérarchisée, qui pouvait, en s'appuyant sur la masse des adeptes au culte, qui pouvait prétendre réformer l'État. Alors il n'y a pas eu moins de 12 grandes campagnes de répression antichrétienne, mais toutes vaines. Constantin se résigna, ou plutôt... Il eut l'intelligence de comprendre qu'il pouvait tirer parti de cette nouvelle religion et il en fit la religion d'État de l'Empire. Eh oui. Alors vous savez, 10 000 caractères ne me semblent pas grand-chose dans un article comparé à l'impact monumental des réformes de cet immense empereur. Je commencerai l'article par l'empereur Constantin touché par la grâce divine. La grâce divine, accidenti. Qu'est-ce qu'un mot des millions. Ah, voilà un doigt impérial, un doigt accusateur, comme je les aime. Il était vraiment gigantesque, hein, Constantin. Un colosse, hein, un colosse. Jean-Paul, oui. Sérieusement. Quoi? La veille d'une bataille contre son rival Maxence, il aurait vu dans le ciel un signe lui annonçant sa victoire. Vous y croyez vraiment? Moi, pas trop. Je vais vous dire, il a beaucoup aidé la foi chrétienne. Il a fait de la religion catholique la religion officielle de l'Empire, mais...
Dire qu'il avait la foi, non, c'était surtout un stratège. Oui, mais il a quand même multiplié les signes envers le clergé, leur octroyant des droits nouveaux. Il a dépensé aussi beaucoup à Rome pour construire des églises. Et il s'est même fait baptiser à la fin de sa vie. Alors c'était peut-être des choix politiques, mais j'aime à y voir une démarche motivée par sa propre foi. Oui, enfin, on va remonter le temps. Constantin, à son époque, c'est très difficile. Il combat ses rivaux les armes à la main. Il va écarter les prêtres des cultes anciens. Il va s'appuyer sur une église naissante, moderne. Il en a besoin, elle a besoin de lui aussi. Alors c'est vrai qu'il a unifié son empire avec les chrétiens, ça c'est une idée géniale, mais dire vraiment que c'était un homme qui avait la foi, qui croyait, non. Je pense que c'est avant tout un habile politicien, voilà. Ah bon ? Oui. J'aimais bien cette histoire. Voilà, si vous aimez les miracles, je vais vous en montrer un. Le seul miracle qu'il y a ici, c'est vous. Oui. Bon, il y en a un autre, je vais vous le montrer. Vous allez être surprise, c'est quelque chose, mais alors... monstrueux, c'est un pharaon, mais vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Si les chrétiens avaient été accusés par facilité de fomenter l'instabilité, le mal était bien plus profond à la fin du IIIe siècle. Les assassinats politiques étaient à la mode, l'armée faisait et défaisait les empereurs. Constantin fut proclamé auguste par les troupes qui combattaient en Bretagne et que dirigeait son père. À la même époque, d'autres militaires sur d'autres fronts se font proclamer augustes par leur légion. Rome compte alors 7 empereurs officiels. Constantin débute sa carrière politique par une guerre sans merci contre tous ses opposants. Il les élimine un par un. Sa dernière bataille, il la mène contre Maxence, qui s'est entre-temps adjugé les différentes provinces de la péninsule italique. La rencontre a lieu entre les deux armées près de Rome, au niveau du pont Milvius sur le Tibre. Constantin gagne, Maxence perd la vie. Ayant pris seul le pouvoir, Constantin entame une série de réformes visant à redonner à l'Empire sa splendeur et sa force d'antan. Il reforme l'armée, il rétablit une monnaie forte, il fait bâtir une nouvelle capitale aux portes de l'Orient, mais surtout, il convoque le premier consul œcuménique en 325. L'idée est alors de rétablir la paix religieuse mise à mal par les répressions sanguinaires des empereurs précédents. Dans les réalités, Constantin rêve de mettre en place une nouvelle dynastie impériale à l'image de celle qui fait de Rome le phare du monde. Alors, s'il choisit de s'appuyer sur l'organisation nouvelle de l'Église, c'est parce qu'il cherche avant tout à contourner le pouvoir des familles sénatoriales. Constantin multiplie les mesures favorables aux chrétiens. Il confère aux prêtres les mêmes droits que ceux des prêtres des autres cultes publics. Il encourage également les donations pour aider l'Église à bâtir des lieux de culte comparables aux temples antiques. Oui, pour Constantin, il faut que Rome se dote de lieux de culte fastueux, honorant la magnificence de cette Église nouvelle et de ce Dieu unique, rassembleur et père de toutes choses. Constantin devient lui-même le père fondateur de la Rome chrétienne. Il prend bien soin de doter chaque quartier de la capitale romaine d'une basilique grandiose, un symbole à la fois de ce renouveau idéologique et d'une unité politique enfin retrouvée. Sophie ? Moi, je trouve que finir une belle journée sur la colline du Pinch n'est rien de mieux. Vous savez que les Romains, avant même d'être Romains, ils avaient imaginé leur ville ici, sur cette colline du Pinch. Oui. Bon, enfin, Jean-Paul, vous n'y pensez pas. Oui. Rome a été bâtie sur et autour de 7 collines, obligeant le fleuve à quelques lacets, ce qui nous offre cette plaine absolument remarquable. Ces 7 collines sont en réalité naturellement défensives. C'est pourquoi les Romains ont construit la capitale de leur empire ici même. Oui, alors comme ils prévoyaient tout... eh bien, ils ont prévu de construire tous ces dômes, la Piazza del Popolo. Oui. Ici, on est au paradis. Hein. Oui, et Saint-Pierre et le Vatican ne sont pas loin. Finalement, Jean-Paul, à Rome, le paradis est au bout du chemin. Vous savez que vous auriez pu être ma fille. Pourquoi ? Pour les yeux bleus ? Et l'eau qui bleue, non ! L'amour des belles lettres, de la littérature, c'est ça. Oui. Mais attendez. Moi, je peux trouver aussi une belle phrase. Hein. Ah oui, je peux trouver une chute. Arrivederci Rome, non ?
Ciao Roma. Ciao Roma. Ciao Roma. Hein? C'est bien ça. Très bien. Ciao Roma. Parfait. Ciao Roma. Ciao Roma. Bon, c'est vrai, j'étais assez fier de ma trouvaille. Oui. Mais réflexion faite, cela ne sera pas la conclusion, mais le titre de notre article. Ciao Roma. Parce que pour la conclusion de cette fantastique épopée antique, j'aimerais évoquer la providence. Providence au sens métaphysique du terme. Peut-on penser un instant que la Rome des papes et du Vatican, la Rome des arts et de la Renaissance, relève d'une simple aventure hasardeuse ? Une aventure éloignée de celle des empereurs et des armées antiques qui illuminèrent de leur puissance et de leur génie le reste de l'humanité ? Alors c'est vrai, la Rome antique, elle a sombré corps et âme, balayée par des hordes de barbares, mue tant par la cupidité que le sentiment de revanche, parce que c'est une sorte d'exutoire à la frustration des peuples qui ont été longtemps soumis ou ignorés. Alors Rome a perdu un temps ses richesses. Elle a vu ses monuments pillés, brisés, démembrés. Mais Rome a su ressusciter de ses cendres et vivre à nouveau une aventure sans pareil. Alors faut-il considérer qu'il y eut deux Roms totalement distinctes ? Moi, je ne pense pas, franchement. Hein. Au contraire, je suis persuadé que l'héritage antique de la cité ne se résume pas à de vieux monuments, faut le dire, en partie ruinés quand même. Hein. Eh ouais. C'est cela que j'aimerais souligner dans notre article, car je crois en la destinée. Il me semble impossible que seul le hasard ait gouverné Rome, que ce soit seul le hasard qui ait guidé la Providence à établir le siège de la foi chrétienne à cet endroit, là même où la puissance humaine à son apogée régnait sur le monde. Thank you.